Pas Chital. Pourquoi s'est-elle évanouie? Richard Kaira, venez, Chital s'est évanouie. Chital. Chérie! Chital! Chérie! Qu'y a-t-il, chérie? Mon amour! Qu'est-ce qui lui arrive? Mon amour! C'est une crise d'asthme, ne le vois-tu pas? Viens avec son inhalateur! Vite! Chital! Mon amour, dépêche-toi! Ma tante! Dis quelque chose! S'il te plaît, lève-toi! Il ne t'arrivera rien tant que je suis là, mon amour! Il ne t'arrivera rien, chérie! Que quelqu'un appelle le médecin! Appelez une ambulance! Tout ira bien, Chital! Allô, docteur? Tiens ça. Tiens. Allô? Docteur? Allô, les urgences, venez chez les Danrajgir. S'il vous plaît, venez vite, dépêchez-vous, s'il vous plaît. J.D. aussi est mouillé. Il n'y a pas que moi. Même maman t'aimera pour toujours. Regarde ce qu'elle t'a envoyé. Ta main. Elle a dit que tu devais toujours garder ça. Ça te portera chance. Ta mère m'aime vraiment. Quand je suis à ses côtés, je n'ai plus peur de rien. Madame, et mon amour alors? Ton amour compte aussi. Mais celui de ma tante est plus important. On peut aller répéter maintenant? On a une audition demain. Ne me sors pas ce genre d'excuses. Je veux que tu me dises que tu m'aimes. Vraiment? Comment? Oui, allô, pour va? Monty, Pongti a été sélectionné pour Rising Star. On vient de recevoir le mail. L'audition aura lieu après-demain. Waouh! Félicitations.
Pangti est une chanteuse, tout comme Ahn. Ils sont tous les deux vraiment faits l'un pour l'autre. Pourva, pourquoi ne pas monter notre propre compagnie? Comme ça, les gens diront la même chose de nous. Écoute, l'amour de Pangti a fait de Ahn un grand chanteur. Et maintenant, Ahn, eh bien, il veut faire d'elle une chanteuse. Et puis, comme il est amoureux, alors il est sans doute un coach strict pour révéler les talents cachés de Pangti. Waouh! Les gens l'appellent amour magique. Ils le comparent même à Dieu. Tu en fais un sacré coach. Et bien sûr. Tu sais, je pense que ton amour va révéler mon talent caché. Je vois. Pourtant, tu n'as encore rien fait pour moi. Pourva, tu m'aideras à construire mes rêves aussi un jour. Tu verras, ça va te plaire. D'accord. J'attends ton invitation alors. Bye. Ahn, qu'est-ce que tu fais? Tu as un spectacle demain et on ne sait même pas ce que tu chanteras. Réfléchis pendant que je cherche aussi. Ah, mon amour, mon amour. Reprends Sunha Haina. Les gens aiment ça. D'accord. J'ai trouvé. Une chanson? Mon chanteur préféré. Ranbir Kapoor? Oh, Ranveer Singh? Varun Dhawan? Non. Qui? Ahn Dhanrajgir. Je vais chanter tout à Shiki. Kaira t'appelle. Allô? Ahn, ton téléphone est éteint. Maman a dit que tu étais avec Pangti. Pourquoi est-ce que tu pleures? S'il te plaît, dépêche-toi de rentrer. Ma tante est... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Reviens juste à la maison. Dépêche-toi. D'accord. Qu'y a-t-il? Aucune idée. Je crois que ma tante a des ennuis. C'est peut-être pour ça qu'elle a appelé. J'espère. Pangti, je dois y aller, je suis vraiment désolé. Vas-y, ne t'inquiète pas. Rien n'est plus important que la famille. Sheetal, ne t'inquiète pas surtout. Rien ne pourra t'arriver. Essaye juste de respirer. Nous sommes tous ici avec toi. D'accord, ça va aller. Je vais te tuer le plus beau jour de ma vie, chérie. Ton anniversaire de décès et de mariage seront le même jour. J'étais...
décapité. Mon amour, ne dis rien, du calme. Ne parle pas, repose-toi. Le docteur sera bientôt là, d'accord? Une fois que tu te sentiras mieux, on aura tout le temps de parler. J.D. Non, repose-toi, chérie, repose-toi, chérie. Comment puis-je laisser une belle chose comme ma chérie me filer entre les mains? Je veux être avec toi, juste pour des besoins sentimentaux. Comment puis-je laisser une belle chose comme ma chérie me filer entre les mains? Je veux être avec ma chérie. Être avec ma chérie, avec ma chérie, avec ma chérie. Chital! Mère? Ma tante? Chital! Chital! Chérie! Chérie! Chérie, ouvre les yeux! Chérie! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Chérie! Docteur, auscultez-la. Chérie! Vikram! Vikram! Vikram, ta maman! Docteur, ma Chital! Elle allait pourtant bien! Nous fêtions notre anniversaire de mariage. Soudain, elle a eu une légère crise d'asthme. Je voulais l'emmener à l'hôpital, mais elle a insisté pour revenir. Mais... si je l'avais su, je l'aurais pas écouté. Je suppose qu'elle savait qu'elle ne survivrait pas. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu revenir ici. Manav, ma Chital. Dieu a été si injuste envers moi. Je ne peux pas vivre sans Chital. Du calme, monsieur Jidé. Du calme. Madame Chital est vivante. Mais, maman... Vraiment? Oh, Chital! Chérie? Écoutez, son état est critique. Elle est dans le coma. Vu son état, il semble qu'elle était stressée. Ne vous inquiétez pas, elle est vivante et se réveillera. Mais ça risque de prendre du temps.
Monsieur Jidé, il faut qu'on parle. Chérie, je reviens. À Parma. Prends soin d'elle. Maman. Qu'y a-t-il, docteur? Que s'est-il réellement passé? Pardon? Je vous l'ai dit? Oui, je sais bien. Mais elle a des marques sur le cou. Ah oui, ça c'est à cause d'un collier. C'est un peu serré et difficile à porter. Je suppose que c'est ça qui a laissé des bleus. Ça, ce n'est pas à cause du collier. Peu importe. Elle va bien. Mais ce n'est pas un incident mineur. Il faut être très vigilant. Docteur, on peut la transférer à l'hôpital ? Non. Elle ne peut pas être déplacée dans cet état. Elle a subi des traumatismes. Elle peut rester ici. Je m'arrangerai pour qu'elle ait son traitement ici. Ah non, mon Dieu, je le savais. Je savais que Chital ne me quitterait pas aussi facilement que je pensais. Anne! Dès que tu arrives, tu m'appelles. Que se passe-t-il? Pourquoi Anne part si tôt? Maman, il devait partir. Je pense que sa tante a des problèmes. Des problèmes? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, Kaira a appelé. Elle était vraiment stressée. Une femme qui est mariée à quelqu'un comme Monsieur Jayante ne peut avoir que des problèmes. Je parie que c'est de sa faute. Non, maman. Il n'oserait pas faire ça. Si cela se produit, sa famille ne l'épargnera pas. Si jamais il le découvre... Il a déjà réussi à arnaquer et à faire accuser quelqu'un d'autre. On ne sait pas de quoi il est capable. Aparna, va voir le médecin. S'il lui a prescrit des médicaments. J'aimerais bien rester seul un moment avec Chital. S'il te plaît. Je dois te dire une chose, chérie. Tu es très forte. Malgré tout ce qui a bien pu se passer, tu as réussi à rentrer chez toi. C'est bien que tu aies survécu. Autrement, je l'aurais sûrement regretté. Depuis quand tu lâches prise ? Non, chérie.
Je te tuerai petit à petit. Chaque jour. Tout comme tu as tué mes passe-temps. Tout comme tu t'es tenu devant moi et m'as fait perdre mon propre respect. Les choses seront à présent amusantes. S'il vous plaît, docteur, qu'est-ce qu'il est arrivé à ma tante ? Elle a fait une grave crise d'asthme. Ce qui l'a plongé dans le coma. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je dois partir à présent. Je dois lui commander des médicaments spéciaux. Comment a-t-elle pu faire une crise alors qu'elle a toujours son inhalateur avec elle? Je veux aller la voir. Je ne te laisserai pas t'approcher de maman. Pardon? Oui, tout le monde sait. Qui est le responsable de cette situation? Ce n'est pas facile, même pour une personne forte, de résister au stress. Je suppose qu'elle s'est affaiblie à cause de ça. Avant, on se disputait, mais ce n'était pas comme les autres couples. J'avais l'habitude de m'occuper d'elle et de m'assurer d'avoir un inhalateur avec moi au cas où il arrivait quelque chose, et de lui demander pardon pour qu'elle ne soit pas stressée. Ça fait un moment que je m'inquiète beaucoup moins pour sa santé, et Sheetal avait l'habitude de me pardonner. Mais je me suis mis à réfléchir. Oui, j'ai commis une très grave erreur en ayant une liaison avec Panty. Mais Sheetal m'a encore pardonné. C'est pourquoi on a fêté notre anniversaire. Mais certains, par entêtement, ont poussé Sheetal dans cet état. Le désir de faire vivre Panky dans cette maison. De la faire devenir la belle-fille de cette famille. Comment une femme peut-elle accepter d'avoir sous son toit la maîtresse de son mari? Et c'est cet entêtement qui l'a conduit dans cette situation aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, elle est dans cette situation. Si elle est entrée dans le coma, c'est uniquement à cause de toi. Et de ton fils. Ça suffit! Panty n'a rien à voir avec tout ça. Je sais très bien que tout ceci est de ta faute à toi.
Je vais faire tout ce que je peux pour prouver que c'est toi qui es derrière tout ça. Anne! Vikram, s'il te plaît, laisse-moi voir ma tante. S'il te plaît. Elle n'est pas juste ma tante, tu sais. Elle est comme une mère pour moi. Et elle m'aime aussi fort que moi, je l'aime. S'il te plaît, laisse-moi la voir. S'il te plaît, frangin. Qu'est-ce que j'y dirai à la main? Ma tante, je sais que... si tu avais des problèmes avec Pankti et avec moi, tu me l'aurais dit. Tu n'aurais pas gardé le silence. Tu n'aurais pas été en colère contre moi. Je sais que... que tout ça est arrivé à cause de mon oncle. Mais qu'est-ce qu'il a fait, s'il te plaît, dis-moi. Réveille-toi, ma tante. Réveille-toi. Je ne sais pas, Anne. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que ta tante se réveille. Et si jamais... elle ne se lève pas... S'il te plaît, maman. Ne parle pas comme ça. Je ne sais pas, Anne, mais j'ai comme l'impression que... que ma sœur Sheetal est dans cet état à cause de J.D. Elle était en colère contre lui. Alors comment aurait-elle pu lui donner toutes ses propriétés? Elle est allée chez l'avocat pour signer les papiers. Et tout à coup, elle a décidé d'aller célébrer leur anniversaire de mariage dans un endroit où il n'y avait pas de personnel, ni même une seule personne de la famille. Mais pourquoi es-tu mouillée? En fait, Aran, elle était toute trempée. Lorsqu'elle est revenue à la maison et... et les vêtements de ton oncle étaient mouillés aussi. De plus... j'ai vu qu'il avait une blessure à la main. Anne, il est possible que... que tout ceci ait un lien... avec ce qui s'est passé. Je
J'espère que tu n'y es pour rien. Quoi? Que dis-tu, Vikram? Contente-toi de répondre à ma question. Qu'est-ce que tu racontes? Après tout ce temps, les choses allaient mieux entre elle et moi. Nous étions heureux de célébrer notre anniversaire de mariage. Mais... Mais quoi, papa? En fait, j'ai prononcé le nom de Pankti. Sheetal s'est énervée et elle a fait cette crise. J'espère. J'espère que tu dis la vérité. Parce que si tu mens, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je ne t'épargnerai pas. Je te l'avais pourtant bien dit, que tu pouvais faire ce que tu veux, mais que si tu touchais à ma mère, tu le regretterais. Ma tante est toujours dans le même état. Oui, à cause de toi. Je finirai par découvrir comment on lui a fait ça. Dis-moi, pourquoi ma tante a-t-elle changé le testament? Parce que ta tante m'aime. C'est ma femme. Tu l'aurais oublié? Non. Je suppose que tu as oublié que l'ambiance ici est mauvaise depuis quelques jours. Alors pourquoi faire cette fête? Suis-je le premier mari à offrir un cadeau d'anniversaire à sa femme? Non. Mais c'est à cause de toi si ta femme est dans cet état-là aujourd'hui. Où était le personnel? J'avais besoin d'intimité. Et de toute façon, pour une personne spéciale, on essaie toujours de faire quelque chose de particulier. Et cette blessure à la main, c'est parce que tu faisais des préparatifs? Parle. Dis-nous toute la vérité. Désolée, madame. Je ne suis pas décorateur. J'ai fait une erreur et je me suis blessé. Mais maître, auriez-vous peut-être une autre question à poser? Vous avez d'autres questions? Non. Mais cette histoire de testament, on en reparlera quand elle va se réveiller. Comment tu expliques que tu organises une fête sans inviter personne? Juste vous deux. Et comme par hasard, soudainement, elle fait un malaise. Même si je veux qu'on en finisse. Ce n'est pas pour prouver mon innocence, mais parce que je l'aime tant. Et que je ne supporte pas de la voir dans cet état. Je suis vraiment dépassé. Et je veux par-dessus tout qu'elle se rétablisse rapidement. Mais... Dieu merci, elle est vivante.
sont en train de faire toute une histoire avec ce coma. Dieu merci, elle n'est pas morte, sinon... J'en aurais tué plus d'un. Oui, j'écoute. Monsieur J.D., j'ai oublié de vous dire une chose. Aujourd'hui, Pankti était là avec Ahan. Où ? À mon studio. Elle a même chanté. Elle a une très belle voix. Quoi ? Et d'après mes sources, Rising Star l'a sélectionnée. Et si elle gagne, elle deviendra... Une superstar. Je viens tout juste d'en empêcher un de l'être. Et maintenant, je dois en stopper une autre. Comment puis-je te laisser en devenir une? Si tu deviens une superstar, qui vais-je appeler bébé? Si tu deviens une superstar, alors qui sera mon bébé? La décision de faire de Pankti une belle fille a mené ma chitale dans cette situation. Et si ta belle-sœur est dans cet état, c'est uniquement à cause de toi. Et de ton fils. Comment as-tu eu cette blessure? Je ne suis pas décorateur. Je me suis blessé. C'est tout. Pourquoi cette fête? Suis-je le premier mari à offrir un cadeau d'anniversaire à sa femme? Je veux qu'elle aille bien. Non pas pour prouver mon innocence, mais parce que je l'aime et que je ne supporte pas de la voir ainsi. Maman, tu sais très bien que mon oncle ment. Mais que dois-je faire ? Pour aider ma tante. Comment puis-je l'aider? Anne, si tu veux aider ta tante, tu n'as qu'un seul moyen de le faire. C'est rester auprès d'elle, pour que ton oncle ne puisse pas lui faire du mal. Tu comprends ce que je te dis? Garde la foi en Dieu, Anne, car il ne laisse pas le mal triompher sur le bien. La vérité éclatera un jour aux yeux de tout le monde, tu peux me croire. Restons calmes jusqu'à ce que Chital se réveille. Anne, il y a une chose que je ne comprends pas. Je ne sais vraiment pas depuis quand il établit ce plan machiavélique. Parce que ceci ne semble pas être soudain. Reste auprès de ta tante. Je ne sais pas ce que Monsieur J.D. manigance. Oui, mais tu n'as pas à t'inquiéter, s'il te plaît. Concentre-toi pour demain. Ce sera un grand jour pour toi. Je suis vraiment navré de ne pas pouvoir t'accompagner. Tu es toujours avec moi, Anne. Et je sais que tu le seras toujours. Ne sois pas inquiet, Anne. Garde la foi en Dieu. Il ne laissera jamais le mal l'emporter sur le bien. Ta tante ira mieux. Parfois, tu parles comme si tu étais ma mère. Ne me dis pas que tu veux aussi que je te chante une berceuse. Tu as l'air stressée. Tu n'arrives pas à dormir? Pour l'instant, je m'inquiète pour toi, car... tu dois être en forme pour la compétition, pas vrai? Oui, monsieur. Prends soin de toi, Anne. Bonne nuit. Bye.
Si tu laisses la porte de chez toi ouverte la nuit, alors quelqu'un y entrera. Tu devrais être reconnaissante qu'aucun étranger ne soit entré. Monsieur Jidé, sortez d'ici. Si vous voulez me parler, attendez-moi dehors. Sortez. Je vous ai demandé de sortir.